Donc moi, il y a toujours deux choses qui me... Alors ça, deuxième branche sur laquelle on hésitait en fait. Il fait froid, hein. Mais ça va se corriger avec le temps. Oui, je vais te faire rentrer. Et là, maintenant, on est combien de temps après? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Où le substrat reste encore drainant, je dépose directement le substrat sur le substrat. Je dépose directement l'engrais sur le substrat. La face avant est toujours ici. Oh, c'est pas possible ça. On l'a pas fait en même temps, on l'a pas fait en même temps. Hein. Ah bah c'est 1, 2, 3, clap direct. 1, 1, 2. Non, c'est toi, non, c'est toi. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. Oh merde, j'ai défoiré le truc. Eh, tu caleras le son. Pour moi, c'est 1, 2, 3 et 0 en fait. Tu vois, c'est 3. Oh putain, j'ai un appel. 1, toc. Mais attends, j'ai un appel, il y a ma voisine du dessus qui m'appelle. Ah, attends, merde, deux secondes. Vas-y. Non, non, mais attends, je refuse, voilà. Merde. Bon, parce qu'il y a ça aussi, si on a des appels et tout, ça va être une galère. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave, ça fera du bêtisier. Voilà. Le générique. Tu veux, je te le mets pour mettre l'ambiance. Hein. Waouh, c'est trop bien fait, on dirait des vrais. Ouais, alors ça, c'est vrai que. Aucune réaction, c'est vrai. La cinquième question. Vous les mettez dehors? Alors, non. Ça, on le protège, quoi, en le mettant à l'intérieur, mais c'est pas vrai. Attends, pourtant, les ficus, ils tiennent bien, hein. Ils tiennent bien les gelées, les ficus, non? Moi, je le protège. Ouais, je rigole. Non, on a pas mal de ficus, des allées de ficus dans Paris, c'est beau, hein, vraiment. Non, non, je déconne, hein, c'est pas vrai. Ah oui, non, bah, j'étais en train de me dire, mais non, c'est non, pas non, possible. Je déconne, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, pas je peux vrai. Pas laisser. Alors, je vais la faire. Tu me l'as fait la sixième, vas-y. Ouais, et en plus, c'est dur parce que il faut pas que je fasse de lapsus. C'est encore du commerce, c'est. Mais bon. Non mais c'est très bien là. Gros bide. Le FBI, le KGB derrière toute cette histoire, les Illuminati, il n'y a absolument aucun arbre miniaturisé, ça n'existe pas, la Terre est plate. Ah, tu vas perdre un bon nombre d'abonnés là. Ouais. Tu prends juste cette phrase, Alexis fait des bonsaïs, et puis tu mets juste sorti cette phrase. C'est fou. Alexis fait des bonsaïs, la Terre ouais. est plate. Quoi? Alors pour la... il faut absolument qu'elle tige parce que là il y a des... Un moustique. On voit vraiment la ligne de tronc. Oh, putain, c'est pas possible. Oui. Oui. Ouais. T'es en direct sur une vidéo, mais c'est pas grave. Chut. Je viens de commencer. On avait fait. Qu'est-ce qu'on avait fait? Donc c'était l'année dernière. L'année dernière, en... Ah. En fait, avant, on avait... Ouais, du soleil, là. Il faut pas... Donc là, on est sur la face avant. Là, j'ai mis deux traits. Tu vas voir tout à l'heure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente comment je gère mon engrais. Non. Donc, si ça se forme, on le trouve en fait. On le trouve sur... Je vais le poser ici. Attends, je peux faire ça. On va avoir des soucis d'arrosage. Donc, pour l'utiliser, il préconise... Alors, pour l'utiliser, on va pas le mettre directement sur le... Alors, pour l'utiliser, il va falloir le diluer. Alors, la chose importante, quand tu... Il faut pas qu'il coule par les trous de drainage. Voilà. Donc je fais de fin février à juin, inclus. On va d'ailleurs commencer à sentir une forte odeur. On va d'ailleurs commencer à sentir une forte odeur. Hein, ça sent le caca en fait. Hein. Là j'ai toujours pas. Là je suis sur la fin. En fait
En fait, le gros paquet de 25 kg, bah, je le mets ensuite dans des petits paniers. Là. J'ai écrit engrais, comme ça je sais que c'est de l'engrais. Là, c'est écrit engrais. Donc, il suffit juste que ce soit un engrais organique avec des taux qui sont entre 3 et 8. Chez moi, ça marche très bien. En tout cas, chez moi, ça marche très bien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré le détail de ce que j'utilise. Ça, j'ai déjà dit, ça. Et ensuite, j'ai fait un arbre un peu plus droit, donc là, pour le... des charries, etc. Putain, c'est pas possible, ça. Et enfin, donc ça, j'avais mis ça. Donc maintenant, je vous présente les mélanges que j'utilise. Donc maintenant, je vous présente les différentes combinaisons possibles. Ce ficus, comment je peux dire ça? Et la dernière catégorie, c'est l'olivier. Donc ça, 6 parts de pumice et 4 parts d'akanama. Là, vous allez plutôt mettre plus de rétention d'eau. On peut utiliser par exemple des tendeurs. Je vais en chercher un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, il suffit juste de déplacer la cale à l'intérieur. Et on obtient ensuite... Et moi, ce que je fais, c'est que quand c'est incliné comme ça, je mets plus d'engrais de ce côté-là. Ça, c'est pas un bon exemple, ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer à travailler sur cette aubépine. On peut voir... deux partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir. Pour le futur de l'arbre. Donc voilà. Parce que je veux pas faire plus grossir. Ouais, bon, bref. Alors là, il y en a une qui pousse directement à l'aisselle de l'arbre, directement à l'aisselle de la branche. Allô, on m'entend? Ouais. Avec ce travail, j'ai pu sélectionner les branches que j'ai voulu garder. Il reste 29 minutes. Donc, je vais me dépêcher de faire cette taille. Donc, j'ai celle-ci. Et normalement, il y en avait une autre. Ouais, ici. Et en fait, je me suis beaucoup inspiré du... d'un travail que Joseph Birch. Et j'ai décidé de l'emmener le dernier jour d'une session. J'espère que j'aurai une évolution comme le travail de Joseph Birch.
on voit en fait... on voit pas en fait. Ok. En fait, il faut que je monte. Et que je plonge au-dessus. Ouais, là, on voit bien. Ça va être compliqué de montrer. Ça va être très compliqué de montrer. Je vais me mettre de côté, je pense. Alors là, je vais essayer de passer par en dessous. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais pas dépasser deux ou trois feuilles. Logiquement, je vais pas dépasser deux ou trois feuilles. Donc logiquement, les tiges que j'ai gardées, les tiges qui ont été gardées. En tout cas, je manquerai bien. Oh putain. Il y en a un, on va dire, qui a un potentiel un peu moins. Non, je sais pas comment dire. J'ai juste une part. Donc du coup, pour ce travail, j'ai juste besoin d'une pince. J'ai pris une pince. J'ai pris une simple pince concave oblique. Donc pour le travail, j'ai pris une pince concave. Donc pour le travail, j'ai pris une pince. Oh putain, mais je. Desséché. Voilà. I think it will be better. Là, on a une petite araignée. Là. Bref. Coucou. Coucou. Ça va? Oui. Et toi? Alors, je vais juste remettre l'arbre devant quand même. Voilà. Ça va réduire en fait la surface. Comment je peux dire ça? Peut-être l'année prochaine, peut-être au printemps l'année prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors que toutes les autres branches, elles montent, elles ont quand même une insertion avec un certain angle. Elles ont une insertion. Alors que toutes les autres branches, elles ont une insertion assez. C'est une couleur violette. Je sais pas si c'est intéressant, mais au moins c'est dit. Voilà. Je vais me remettre en position. Alors. Ça continue d'enregistrer, j'espère. Et faites du bonsaï. Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur cette race. Ah, oh, là, c'est pas possible ça. Et j'ai décidé d'utiliser. Et c'est en général la période qu'attendent tous les azalées d'Ama. Il y a le chat là. Qu'est-ce qu'il y a, Yao? Il y en a qui sont vraiment très 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 difficiles à filmer. Ah, j'en ai une, mais j'arrive pas à vous la montrer. Ça enregistre toujours. Oh shit. Un petit nettoyage. Avant la suite. Est-ce qu'on entend? Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. C'était plus long que prévu. En même temps, j'ai tout détaillé. C'est super dur à voir. Hein. Franchement, c'est impossible à montrer. C'est vraiment impossible à montrer. Et on se retrouve encore une fois avec un cas. On voit bien. C'est compliqué à filmer ça. Hein. Depuis tout ce temps, l'écran n'était pas là. Du 1.5, du... Alors c'est quoi? Attention. Ah, putain, il faut que j'arrête les azalées, je suis allergique ou quoi? C'est un de mes premiers pains avec le pain sinuestre. On l'appelle aussi Goyomatsu. Ça,
c'est pas très important. Tout ce qui est ligature, taille, rempotage, on laisse tomber. Qu'est-ce que je voulais dire En fait, je sais plus où j'en suis, là. Je dis quoi, là, la première chose. En tout cas, on se retrouve à la rentrée. On se retrouve à la rentrée. Et faites du monde, ça y est. J'avais fait la vidéo quand, déjà? Mais il fait super chaud ici, c'est horrible. On découvre la... Oui? Non? Pourquoi? Ah non, on se rapproche, hein. On se rapproche et on explique. On explique aux gens la démarche. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur... Bonjour à tous. Et effectivement, bah après, il s'est passé le mois de Donc cette vidéo, je l'avais fait en... Donc cette vidéo, je l'avais faite en mai. Et effectivement, bah, il a recommencé à tiger. Attends, on va refaire un peu, là. Calme-toi, Alexis. Hein. Calme-toi. Alors, effectivement, j'avais fait... Donc, je vais essayer de voir ce que ça fait. Si tous les ans, j'ai envie de voir le résultat au bout de quelques années. J'ai envie de voir le résultat... J'ai envie de voir le résultat d'un travail. J'ai envie de voir en fait le... J'ai envie de voir en fait le... C'est-à-dire que si j'ai... Si j'ai un bout de branche sur lequel je veux qu'il se... Comment je peux dire ça? Ça passe devant la caméra par contre ça. Allez, hop. J'ai encore 1h47. Putain, il est 17h. Oh bon là, on a un peu de mauvaise herbe ici là qui... Peu importe. Et j'ai gardé que les tiges que je garde. Et la dernière chose que j'ai faite aussi, c'est que... Non, maintenant c'est bon. Comment ça se dit ça? Que je dise pas de conneries. Allez. Et qu'on est tapé, soit parce que justement, parce qu'il est en train de produire largement plus de feuilles dont il a... Parce qu'il produit beaucoup plus... Parce qu'il produit beaucoup plus de feuilles que ce qu'il... Non mais laisse tomber. Je suis pas du tout clair. Qu'on réfléchisse avant d'agir. Pas des choses qui montent vers le haut, parce que le ficus... Enfin, le ficus... Voilà, j'ai fini de faire la taille. C'est bon, on entend, ouais. Donc là, j'ai fait les... Donc là, j'ai du fil d'aluminium de 1,5. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai de quoi faire un haut dedans? C'est plus pour... Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler... Alors, j'avais déjà fait un thème... Putain, c'est chaud aujourd'hui. Hein. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a... C'était quand d'ailleurs? Regardons l'information... Ça lui fait croire que elle est en train de... Oui, mais c'est ça que je vais regarder. Comment ça s'appelle, ça? Surtout que ça, ça absorbe énormément. Surtout que ça, ça... Surtout que ça... Oh, putain. Et puis, je les ai... repiqués. C'était quand? Il avait un substrat. Les semis avaient... Les semis retrouvaient un substrat... Et on commence à voir... Et là, à ce stade, on a des troncs. Et là, à ce stade, on commence à avoir, tout ce temps-là, au final, tout ce temps-là, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Elles vont finir par les... Et j'enlève en général c'est... Et j'enlève en général c'est... Bon, je fais environ une part de sable, deux tares de... Parce qu'on voit carrément les races... L'intérêt de faire ça. L'intérêt de faire un semi, comment le... Bon, maintenant les plans rapprochés. Là, j'ai intérêt de pas dire de conneries. Je fais une entaille correspondant à peu près à la... Ensuite, je prépare de l'hormone du botu... Oh putain. Il faut que je boive un peu. T'as frappé? Et je fais tout le tour. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc maintenant c'est parti, on va déballer. Donc maintenant c'est parti. Ah oui. Ah ouais.
Ah, parce que si tu bouges, là, je pourrais pas le voir. Ferme. Je sais plus où j'en étais. Bon, on y va. C'est pas l'utilité. Non, non, ça c'est pas important. Et c'est mal dit. La pince à jean. Si j'arrive à attraper. Là maintenant l'arbre tient sur la planche et on va pouvoir du coup accrocher l'arbre. Non. C'est marrant parce que là je tape sur la branche. La planche. Je vais peut-être lui remettre un coup de substrat. Je vais peut-être lui remettre un coup d'engrais d'automne. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc ça permet vraiment d'aérer. On a une à gauche. Ça me sert aussi à faire des semis. Je pense qu'il faut se. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Attends, si, faut qu'on regarde ça. D'accord. C'est le gros piège. Tu me veux pas si je me casse? Ce sera dans le bêtisier. Ah bah, pas de bêtisier, c'est pas une vidéo à FDB. Hein. Tiens, je vais m'enlever la petite écharpe et remettre mes gants. Putain, ça, il faut pas filmer ça. Mais c'est dans le bêtisier. C'est un ridicule. Dans le bêtisier. Mais j'arrive pas à voir le bout là. Ouais. D'habitude je suis toujours tout seul et mais là. Attends, peut-être attendre la voiture. Mais Ok. Bon, bah. Et faites du bonsaï. Et puis on va remettre en. Ah non, c'est toi qui dois dire faites du bonsaï. Ah bon, ouais. C'est moi. Et faites du bonsaï. Attends, attends. Alors on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï. Et faites du bonsaï. Bon, je crois qu'on a tout dit. Hein. C'est un Yamadori. Donc c'est un Yamadori. Ça marche. Hein. Moi au début, ce que j'avais pensé, c'était peut-être de le rempoter au prochain rempotage. Moi, ce que j'avais pensé, c'était peut-être au prochain rempotage. Alors il y a plusieurs techniques. Voilà. Avant d'autres branches secondaires. C'est pas très clair, mais on va comprendre après. Voilà. Donc là, on va se rapprocher. Je vais commencer par m'accrocher ici. Et puis, je vais vraiment protéger. Ah oui, ça, on voit pas. Hop. La petite vis. J'ai essayé de regrouper plusieurs. Comment on peut dire ça? Et puis évidemment. Alors par contre, il y a un petit blocage. Notamment, alors je vais juste ramener. Et d'essayer de faire comme ça. Et faites du bonsaï. Je l'ai rempoté. Alors j'ai rempoté quand? Voilà, on va dire le. Ensuite, toute la ligature. Ensuite, non. Alors, je vais passer par au-dessus. Là, par contre, mon outil il est cassé là. Hop. Là, ça va pas être trop long. On a la ligne. Je vais le montrer en détail là. Jusqu'au bout des branches. Et. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors. J'essaie de pas me mettre devant la caméra. Les deux branches du fond, je vais m'amuser, je vais m'éclater à faire plein de formes, je vais m'éclater à faire une forme, et ça c'est grâce au robot. Et ça c'est grâce au robot jeune homme. Au niveau du fil, je vais quand ça commencerait, quand ça va commencer. Mais je suis content, je suis content, ça va lui. Mais je trouve que. Mais ça va aller. Allô? Ouais, c'est bon. Donc vous vous souvenez sûrement de cette... d'ailleurs, ouais, mince. Oh merde, c'était quand? Il me semble que c'est la troisième vidéo que je fais sur cette arme. Et là, ce que je remarque, c'est que les marques commencent à disparaître. Et ce que je remarque, c'est que les marques, ça va me permettre de limiter ou carrément de pas avoir... Hop là. Je vais remettre ça comme ça.
Donc c'est vraiment la première branche de la branche. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Alors celle-là on l'avait fait. Dans la poubelle. Je la supprime. Ah, par contre, vous voyez pas. Ça me fait toujours plaisir de lire vos remarques et vos critiques sur. Ça me fait toujours. Plutôt qu'elles partent toutes les deux. Plutôt qu'elles partent toutes les deux.